Bonjour Mathilde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens ouvrir un nouveau vlog. On est mardi 7 mars. Ça va trop vite. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai fait du ménage. Les vlogs vont changer. Enfin, les vidéos vont changer. Et les vlogs aussi parce que je vais être un peu moins présent pendant 4 mois. Et je ne sais pas comment ça va aller. On va essayer de faire ça au mieux quand même. Voilà, et du coup, depuis 8h30, je suis en route. J'ai été faire mon abonnement pour moi savoir aller où je dois aller à partir de jeudi. Voilà, et en même temps, j'étais chez Action. Du coup, je vous montre ce que mes petits achats de Action, ma lecture en cours. Et logiquement, si tout se passe bien et si je les ai avant 4h, je vous montrerai ma grosse commande que j'ai commandée ici. J'ai un autre livre à vous montrer aussi. Je vais aller le chercher comme ça, je vous montre aussi. Du coup, il est là, j'ai plus qu'à faire. Mais d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose, c'est juste très lourd. Déjà, pour commencer, lourd, c'est parce qu'il y a ça. Je me suis pris... Bon, on le voit mieux par là. Pris une boîte de color Pop Clou avec plusieurs couleurs. Il y en a 80 dedans. Ils ont l'air bien. Du coup, on va tester ça quand je colorierai. Bon, maintenant, ça va être un peu plus dur pour colorier. Après, je me suis... Enfin, j'ai pris un cadeau pour ma belle-mère. Je vous montre quand même parce que de toute façon je sais qu'elle ne regarde pas les vlogs. C'est un parfum forme de papillon. Et ce qui est écrit, utilisé à l'écran de toutes les... Oh ouais, à l'écart de toutes les femmes. Je regardais s'il y avait des odeurs vaporisées un peu. Non, il n'y a pas. Mais on voit pas trop bien, mais il est en forme de papillon. Du coup, voilà, je lui ai pris ça. C'est 3,45 je pense. Un truc comme ça. Je l'ai dans mon sac. Non, c'est je ne saurais pas vous dire. Mais j'en ai eu pour une 20aine d'euros. Du coup, je ne sais pas. Je le trouve pas sur le... je ne trouve pas. Ah, c'est ça. Non. Non, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Tu veux fouiller mon sac toi aussi? Je me suis repris des baumes de beurre de cacao. J'en ai pris deux. Enfin, c'est un en fraise et l'autre, je sais pas c'est à quoi. Mais comme ça, je vais en mettre un de chaque dans mon sac pour moi aller à mon cours. Je me suis pris un spray comme ça pour remettre sur tout ce qui est fauteuil, arpacha, couverture. Pour redonner un bon goût. Et il sent bon celui-ci. Je vais tester ça. Je ne sais pas quoi c'est. Et puis c'est 90% d'ingrédients de base. Du coup, je me dis pourquoi pas tester ça. Ça, je ne sais pas. Il faut que je voie parce que j'ai pas su lire au magasin. Je me suis pris un spray comme ça. Hop. Et je ne sais pas le goût. Multitâche. C'est multi. Voilà. Bicarb. Je suppose que c'est carbonable. C'est limone. Voilà. Il faut que je lise parce que dans ma gamme, c'était pas possible de lire. En mode d'emploi. Enlever la saleté grasse et ouais, c'est pour nettoyer quoi. Je me dis ça va sentir bon aussi un peu pour changer. Que j'ai celui-là en produit pour nettoyer partout. Dans la salle de bain, la cuisine et tout ça. Et j'ai pris celui-là pour faire sa multitâche. Voilà. Et il a l'air... celui-là, je l'ai vu sur le ticket. C'est ça, Falouf, ouais, c'est ça. 1,49. 79. Et après, je me suis pris que des carnets. Du coup, je me suis pris ce carnet. Enfin, c'est un agenda. Voilà. Je sais l'ouvrir. Du coup, pour commencer, vous avez une petite latte que vous savez retirer, je suppose. Oui. Après, vous avez des petites marques. Oh, il est déjà janvier. J'essaie de tourner les pages. Et vous avez les plannings de jours. Enfin, de semaines. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Voilà. Après, vous avez des notes. Je
me suis dit pour aller à, comme je reprends l'école, voilà, pour essayer de savoir un peu. Voilà, puis vous avez octobre, vous avez plusieurs. J'ai pris en bleu parce que j'aime bien le bleu. Voilà, et dans le fond, si j'arrive, vous avez des étiquettes. Je n'ai même pas vu, j'ai pas regardé des étiquettes. Ouais, c'est pas vraiment très beau. Puis vous avez un pochoir là, et puis vous avez un. D'accord, je les retire. Des petits sachets plastiques pour mettre vos trucs dedans. Comme ça, je vais peut-être faire mon planning dessous pour la semaine, pour aller, par exemple, aller manger un bout ou quoi que ce soit, mettre 5 euros par semaine, par jour. Après, là, c'est que des carnets. Là, j'en ai pris tout plein. Des petits carnets comme ceci. Hop, j'ai deux roses, enfin c'est rose beige, parce que ça j'aime bien écrire dedans, un vert foncé, un noir, un bleu, un rouge et un tout transparent. Voilà. Ils sont pas chers non plus. Je sais pas c'est quoi, mais. Et deux petits carnets comme ça, des books. Notebook, un mauve avec des petites feuilles et un bleu avec d'autres feuilles. Voilà, j'aime bien écrire dans ça. Il y a 92 pages avec un élastique toujours. Et vous avez un bic, mais ça, le bic, je m'en fous. C'est des lignes dedans. Voilà. Et je me dis que c'est des trucs que je peux écrire mes pensées ou mes devoirs. Voilà, faire comme un petit journal. Je ne sais pas si je vais prendre ça ou ça. C'est ça que j'hésitais entre les deux. Et c'est tout. Et tout. Déjà beaucoup. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment pas chers ces carnets. Du coup, voilà. Je sais pas si je vais prendre un comme ça, par exemple, ou un comme ça pour faire un petit journal. Comme je retourne à l'école. Voilà. Et voilà. J'ai tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, je vais vous parler de mes. Le livre qui est arrivé hier. Je me suis pris le tome 2 de Les Sorcières de Zora. Tome 2, la bibliothèque interdite. Elle est trop belle, hein, beaucoup. Mon chien s'appelle Zora. Et qui est en train de se faire des trucs là. En train de laver ses tétés. C'est assez sombre, mais j'aime beaucoup les dessins. On voit les petits pieds. Je voulais vous montrer un visage. Si je peux. Je vais essayer pas de spoiler parce que c'est un tome 2. Quand même. Ça parle de sorcière. Voilà, le visage de la sorcière. Je vous montre un petit peu comme ça. C'est. Il y a beaucoup de couleurs, il y a du sombre. Oh, par contre, le truc que je n'aime pas du tout. L'araignée gypsy. L'araignée. Ah oui, c'est bien. Et puis ici, où il y a l'araignée, je vois qu'il y a. C'est le crime. Grimoire de Zora. Et quand j'ai tourné la page, bien sûr. C'est normal. Allez. Attendez, j'arriverai. T'as fini? Je vais lire un livre de Zora. Et ça se présente comme ça. Voilà, vous avez plein de détails. Oui, Kersé. Zora, il y a marqué Zora là. Ben ouais. Ma fille, elle est juste là à côté, c'est pour ça. Après se laver. Et la lecture en cours, j'ai commencé Savannah. Le tome 1 de Nathalie Sullivan chez Hugo Poche. Je suis à 134 pages. J'aime beaucoup l'histoire. Ici, on va suivre je sais, Jessie, je crois que c'est comme ça, son prénom de. Qui va partir en. Savannah. Qui va travailler pour c'est oh, c'est comment oh, vétérinaire pour là-bas et il y a plein de choses qu'on apprend moi où j'ai appris je peux vous parler en fait on apprend que je vais pas trop vous dévoiler parce que je suis à 130 pages mais on apprend en fait elle est partie pour une raison
que je vous laisserai découvrir parce que ses parents vivaient là. Et moi, je suis en train d'abîmer avec mon élastique. Vivaient là-bas avant ou à sa naissance ou à sa naissance, ils étaient là-bas. Et il y a eu un problème et je vous en dirai pas plus. Je vous laisserai de le découvrir. Et du coup, ils vont et elle va retourner pour retrouver un morceau d'elle. Je vous laisserai découvrir qui, quoi, ou voilà. Je voudrais le laisser vous découvrir vous-même. Mais c'est une bonne lecture. J'ai pas envie de le lâcher quand je suis dedans. Je suis au chapitre 17. J'ai trop envie de le dévorer. Voilà. Je vais faire encore ce que j'ai à faire. Mais après, j'ai envie de me mettre dedans. Le bouquiner. Je lis pas beaucoup pour le moment. Je vous présente Monsieur Petit Woody qui va se retrouver tout seul à partir de jeudi. Et ça ne lui plaît pas, ça. Il n'aime pas d'être seul. Ah, mon cœur. Ça va aller tout seul. Grande histoire d'amour avec sa maman. Même s'il n'aime pas d'être pris à bras. Bonjour aux abonnés. Non? Faut dire bonjour à ta soeur. Il n'aime pas d'être pris à bras. Ah, c'est mon livre. Et du coup, j'aime beaucoup. Elle a déjà été Sonia un éléphant. C'est un peu triste quand même. Bon, ce qui est. Moi, j'adore les animaux, comme vous pouvez le voir. Mais c'est très émouvant parce qu'il va se passer un truc avec un éléphant. Et j'ai du mal de garder mes larmes rangées. Parce que c'est touchant, c'est émouvant. Des fois, ben voilà. Comme ils disent, les braconniers, ils font souffrir. Ils veulent chercher les. Je sais jamais comment ça s'appelle, les trompes. Non, c'est pas la trompe, c'est les défenses. Les défenses. Parce que ça vaut beaucoup d'argent. Et du coup, ils font du mal aux animaux. Et eux, ils sont là pour les soigner, les protéger. Ils se battent contre ça. Et là, elle va faire premier braconnier avec un éléphant. Elle va essayer de le soigner, mais. Je vous en dis pas plus. C'est compliqué de pas mettre la petite larme si on adore les animaux. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Pour le moment, j'aime bien. C'est une bonne lecture. Bon, comme je suis qu'à 30 pages, mais j'ai un doute sur un coup de cœur quand même. Parce que j'ai le tome 2 dans la palme, mais je peux pas encore le lire. Enfin, quand je l'aurai fini, je pourrai pas le lire. Parce que j'en ai encore 2, 3 à lire après celui-ci. Voilà, et voilà tout ça. Là, ben, je vais mettre ma machine que j'ai mis en route, que je suis partie assécher. Je vais retaper une deuxième en route. Je vais refaire mon fauteuil, parce que là, vous ne voyez pas, mais je n'ai plus de coussin dans mon fauteuil. Dossier. Voilà, il y a un coussin normalement, mais là, il n'y en a plus. Du coup, on va remettre les coussins, remettre la couverture que j'ai lavée, qui est là tout propre, j'ai plus qu'à l'installer. Ben, ranger tout ça avant jeudi pour que tout soit nickel avant que je parte, pour que mes petits bébés soient au calme à la maison, qu'ils me fassent pas trop de bêtises. Il faut encore que j'ai encore un sac complet à faire de photos pour Vinted. N'hésitez pas à aller voir en commentaire, enfin dans la barre d'infos, je vous ai mis mon Vinted et il y a des livres. Il y a le prioré de l'oranger que j'ai mis. Et deux livres qui est parti, j'ai à peine mis qu'ils sont partis, qui sont déjà arrivés chez la personne. J'avais mis celui-là aussi. J'avais mis le grand format de celui-là. Il est parti très vite. Je l'ai mis et une heure après, il était parti. Voilà. Parce que moi, j'ai pris en grand format. Il va avoir, mais là, pas encore maintenant. Je pense bien d'ici. Ça dépendra mon rythme de lecture après les cours. Mais il y aura le tome 1 et tome 2 à vente sur Vinted. Maintenant, si vous le voyez et que ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Ou venez sur Instagram Bébé Clochette. Je vous les réserve. Et on s'arrange dès que je l'ai lu, quoi. Parce qu'en fait, je vais les prendre en petit en format poche. Comme ceci, parce que j'aime beaucoup le format chez Hugo. Et voilà, c'est pour ça que même les nouveaux qui sont sortis là en grand format qui me donnent très très envie de lire, je vais les attendre en poche parce que voilà, je préférerais les prendre en poche. Ça prend moins de place et c'est beaucoup moins cher. Du coup, je vendrai le tome 1 et tome 2 de ceux-là
Voilà, parce que là, j'ai que le tome 1, je crois. Je sais pas si j'ai pris le tome 2. Enfin, soit, je les vendrai. Voilà, je prendrai les tomes 1 et 2. Voilà. Et sur ce, je n'ai rien à vous dire. Déjà 15 minutes. Bon, ça va, le vlog va pas être très long. Je vous ai déjà inséré le vlog pour samedi. Je vais allumer mon PC et vous mettre la vidéo pour demain. Vous l'aurez déjà vu au moment que vous regarderez ce vlog. Certainement, parce que je sais pas quand je vais le monter, quand je vais le publier, je sais rien du tout. Je sais pas comment il va être long celui-ci. Comme à partir de jeudi, je reprends cours. Je vous ai déjà pas pris lundi, c'est déjà moins de, je veux dire, 15 minutes de moins. Demain, je vais à la pédicure. J'ai pour une grosse demi-heure à pied aller-retour. Ça me fait 1 heure de moins. Mais voilà. Mais je suis prévue. Je vais regarder si je trouve un de ces trois-là. Peut-être pas celui-là, mais celui-là ou celui-là. S'il n'est pas sur audible, pour moi l'écouter en faisant mon trajet dans mes écouteurs. Comme ça, ben, ils seront lus en même temps. Et tricher un petit peu parce que ça sera écouté, pas lu. C'est le même, hein, non? Voilà, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis peut-être à tantôt ou à demain. Je vais ranger tout ça. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous, bisous. À tantôt ou à demain. Recoucou, on est toujours mardi 7. J'ai trois colis à vous ouvrir que je viendrai à vous avoir. Du coup, on va ouvrir tout ça. Hop. On va ouvrir celui-là. Ça, c'est ma montre. J'ai commandé une montre. Ah non, mes écouteurs. Voilà. On va tester ça. Pour moi, aller en métro, 20h, 15h, ouais, c'est bon. Et en plus, aujourd'hui, c'est les cartons. J'ai un autre. Et j'ai pris un JBL. Voilà, Bluetooth. Ce sera top pour moi faire les trajets. Comme je vais avoir presque 1 heure de métro. Ça doit être. C'est quoi? C'est ça. Je ne sais pas c'est quoi. Je vais l'ouvrir parce que là. C'est quoi que j'ai commandé? Je ne sais plus. Oh. J'ai cherché des ciseaux, je reviens. Me revoilà avec les ciseaux. C'est bien facile. Hein. C'est quoi encore que j'ai commandé? Je ne sais plus. Ah ben là voilà. C'est ma montre. Voilà, une montre. Avec un beau bracelet. Il n'y en avait pas de bracelet. Du coup, elle se présente comme ceci. Elle est top. Bon, je regarderai à profondeur. Et du coup, ça c'est le livre. Du coup, le dernier colis. Je joue avec depuis tantôt. Oui, c'est un. Oh, mais celui-là, il n'est pas emballé par contre. Oh, il a abîmé. Plume de bois. Il donne trop envie aussi, celui-là. C'est Chartik. Je ne sais pas vous prononcer. Je suis Plume du Web. Il est trop beau. De marche persan. Je suis Plume du Web. J'ai entendu des bons avis. Que vous me donnez très envie de lire. Si j'arrive à lire. C'est une histoire. Une histoire tragique. Une histoire douloureuse. Une histoire qui prend fin jusqu'à. Au jour où elle démarre surtout l'histoire de l'amour sombre de deux cours prêts à tout pour braver le chaud. Bon, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'il sera bien. Ben voilà pour tout ce que j'ai à vous montrer, mon petit JBL, mon petit livre et ma petite montre que je vais garder tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Je pense que je ne vous reprendrai pas aujourd'hui. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Bisous, bisous! On est toujours le 7 mars. J'ai reçu mon colis. Et si j'ai vu, c'est le livre qui doit arriver demain de base. Il sort demain.
Et moi, je l'ai aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est le livre qui doit sortir demain. C'est que je ne comprends pas. Le tome 3. Il est trop beau en bleu. Voilà. Je n'ai pas encore lu les autres, mais comme c'est un tome 3, je ne vous en parle pas, mais il est trop beau. Regardez ça. J'adore. C'était un rose. Un jaune rose bleu. C'est écrit assez gros. J'ai trop envie de me plonger dedans. C'est en plusieurs tomes. En quatre, je crois. Ouais. En quatre tomes. Oui, le premier, c'était celui-là. Le deuxième, troisième et le quatrième. Mais le quatrième, il sort, je sais pas quand. Voilà, mais il me donne trop envie de les lire. Voilà. Il n'est pas abîmé. Je suis contente. Je regarderai pour le tome 4. Et à la base, il sort demain. Et je l'ai déjà le 7. Hihi, je suis contente. Il y a encore un livre qui doit arriver, si je ne dis pas de bêtises. Des écouteurs. Et il monte. Voilà. J'arrête de mes achats ce mois-ci. Qu'après, de toute façon, je ne saurai plus. Après, j'aurai cours de 9h à 4h. Voilà. Du coup, plus d'achats. Et voilà, je suis trop contente pour cette nouvelle réception du jour. Sur ce, je vous laisse, je vais continuer à travailler parce que j'ai pas eu le temps de ranger. Tout est encore là. Regardez, tout est encore là. Je suis coupée. Il y a un monsieur qui m'a sonné en disant je suis en bas de chez vous. Je suis descendue et Audi, je te vois. Hein. Je lui ai répondu. Et s'était trompé à deux places. Il y a le nom de ma rue à plusieurs endroits. Et il était plus bas que chez moi. Du coup, j'ai dit non, c'est. Je vous dis pas. Et du coup, il a dit j'arrive tout de suite alors. Et du coup, j'ai attendu dans le couloir, mais en t-shirt, j'ai un peu froid maintenant. Du coup, je vais boire un petit coup et je vais ranger tout ça. Du coup, je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Bonjour, mais tu ça, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. On est 9. C'est jeudi 9. Mars et je reviens dans ce vlog. Il va pas être très long, je vais pas traîner parce que j'ai bientôt partir. Une journée qui va être très longue pour moi aujourd'hui parce que je reprends des cours de remise en niveau en français. Comme je veux partir dans une formation de la petite enfance, il faut pas avoir faire de faute pour marquer les petits mots dans le et journal des enfants et tout ça. Du coup, je vais me remettre une mise à niveau. Voilà. Et alors, essayer de corriger mon petit problème que j'ai. Mon petit problème, c'est que j'adore lire. Vous voyez, je lis beaucoup. Enfin, beaucoup. Je lis. Mais mon problème, c'est que de lire à voix haute me bloque. Vous voyez, souvent, je pense dans mes trucs que j'ai un gros bug. C'est un stress pour moi. Excusez-moi, mais je bouge en même temps pour essayer de le remettre. C'est un gros problème pour moi, même pour vous. Parce que je vois des fois je bug et ça m'emmerde dans les vidéos. Je sais pas pourquoi, j'ai ce stress dès que je dois lire en public. Voilà, j'ai dû. Même ma famille, hein, je n'arrive pas à lire avec eux, c'est encore pire avec eux. À part quand je suis toute seule ici avec mes animaux, je lis, y a pas de souci. Mais dès que j'allume la caméra ou je dois lire pour un public, c'est horrible, je n'arrive pas. Voilà, il est quelle heure? 7h50, je pars à 8h10. Du coup, je viens vite dans le vlog. Je pense pas que je reprendrai ce soir, peut-être, je sais pas, je verrai bien. Pour vous dire que j'ai très très bien avancé dans mon livre. De Savannah, le tome 1, de Nathalie Sullivan chez Hugo Roman. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire qui se passe. J'aime beaucoup. Ça me donne, il me reste ça à lire. Voilà, je vais le prendre avec moi. Comme ça, peut-être à ma pause, je le lirai un peu. Voilà. Et enfin, je sais déjà même pas comment ça va aller à la pause, si je suis obligée de sortir de la classe ou pas. Si je sors pas de la classe, ben à ce moment-là, je lirai ça à ma pause. Et j'aime beaucoup l'histoire. Ici, on va suivre notre Jessie, je crois que c'est comme ça, Jessie, qui déménage, enfin qui part sur une formation ou un truc comme ça pour travailler en Afrique.
vétérinaire et voilà, et elle va retrouver la savane. Elle va aller du coup à la savane. C'est le nom de du où elle va passer son temps, la savane. C'est comme ça qu'il s'appelle le petit foyer là, enfin soit. Et du coup, elle va rencontrer tous les personnels. Le patron au début était un petit peu froid avec elle, mais ça se change à la longue de l'histoire et j'aime beaucoup. Ici, on a pour le moment, vous voyez, il y a un deuxième tome, c'est en deux tomes. Il y a eu qu'un bisou, voilà. Et ça prend son temps. J'ai trop envie de me plonger dans l'autre deux tomes, mais je le ferai pas maintenant parce que j'ai encore trois romans à lire pour la palle avec Mariette. Du coup, quand j'aurai fini ça, j'aurai le choix. Je crois que je vous ai déjà montré le choix entre Eleanor et London Inche. C'est l'auteur. Je te hais à la passion chez Pocket de Sarah Wolf. Là, c'était chez Hugo dans Bridget. Enfin, voilà, et alors un tout petit. On verra. Je pense que il pourrait peut-être passer vite si je me fais en week-end. J'aimerais bien me faire un en week-end celui-là. Et vous voyez le cul de mon chat. Le voleur de mes rêves de Hamish. Hamish, je sais pas comment ça se prononce, son nom, il est là. Et voilà, je me suis dit peut-être que si un week-end je ne fais rien, essayer de me le faire. Ou alors. Trois fois les gros max, il y a combien de pages? 222 pages. Du coup, je me dis, allez, en deux ou quatre fois que je pourrais. J'aimerais bien en deux fois sur le week-end ou en quatre fois max pour voilà, essayer de finir ça, quoi. Voilà. Et voilà, du coup, là, je vais mettre mes chaussures, finir de préparer mon sac. Là, vous avez mon sac pour mon cours, j'ai déjà fait ma baguette au matin, j'ai pris une douche. Vous voyez mon chat qui fait des conneries. Je suis levée très tôt aujourd'hui pour m'occuper de lui un petit peu, comme c'est la première journée, il va être tout seul. Voilà, heureusement que je pars. Je vais pour 9h, mais moi je dois partir à 9 à 10. Je partirai certainement à 8h15 de la maison, comme je dois aller en métro. Aujourd'hui, non, c'est ma mamie qui vient me chercher, mais je dois aller pour 8h30 pour aller signer mon contrat. Parce que c'est un contrat, du coup voilà, je vais aller faire ça et voilà, et il faut que je boive un coup pour prendre mes vitamines là parce que je les ai pas encore pris, comme ça c'est fait, j'ai déjeuné, ils ont mis de l'eau, j'ai remis des croquettes, voilà, je suis un peu un coup de mou parce que mon monsieur m'a réveillé à 4h du matin, un petit peu même plus que 4h, voilà, là je suis en train de vous mettre mes shoes, je vais mettre celle-ci. Voilà. Cette fois-ci, j'ai mis tout ce qui pourrait me donner un peu de motivation, une petite clochette. Je n'avais pas envie d'attacher mes cheveux, mais il pleut, il douche. Du coup, je me dis que je vais pas. Je vais les attacher, j'aurais mieux fait. Voilà. De toute façon, comme j'ai que 2 jours. Voilà. Et voilà. Sur ce, je n'ai rien d'autre à vous dire. J'ai mal mes pieds, j'ai des cloches d'avoir marché hier. Je voulais vous prendre hier. J'étais à la pédicure au matin. J'avais rendez-vous pour dire. Je vous ai pas pris hier. De base, je voulais vous montrer qu'il avait neigé. Et je vous ai pas pris parce que j'avais une demi-heure aller-retour. J'ai mis 1 heure du coup. En faisant mes courses en même temps. J'ai dû, en revenant, j'ai fait mes courses. Parce qu'il me fallait une baguette. Enfin, manger quelque chose pour aujourd'hui midi. Voilà, du coup, j'ai dû me chercher de la baguette et de la charcuterie. Manger une petite baguette au poulet curry. Comme ça, ben, j'aurai mon midi. Voilà. Là, j'ai plus qu'à mettre mes boissons dans mon sac. J'ai mis mon abonnement dans mon sac pour revenir ce soir. Voilà. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout.
Je suis fatiguée, mais voilà, on va un peu puncher. Je vais boire un jus de pomme avec prendre mes vitamines et ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voilà. Sur ce, je vous laisse, qu'il est 8h. Je vais aller faire le dernier pipi avant de partir. Ben, prendre ma vitamine et mon jus de pomme. Re-regarder si tout est bien en sécurité pour mon monsieur Woody. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouvera demain ou ce soir. Peut-être que si j'ai le courage, je suis pas trop fatiguée, je reprendrai ce soir pour vous en parler un petit peu de ma formation. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bonjour, monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est vendredi. Excusez-moi, je fais un renvoi. Et je devais être pas chez moi aujourd'hui. Comme je vous avais dit, j'ai repris des cours à l'école. Et bah, aujourd'hui, il y a grève de bus. Du coup, bah, je suis à la maison. Et ça fait du bien. Et je voulais vous parler. J'ai ma fille qui veut venir près de moi, bien sûr. Et hier, pas hier, avant-hier, mercredi, j'avais été à la pédicure et j'avais marché d'une demi-heure, enfin j'avais dû aller une demi-heure aller, une demi-heure retour. Et du coup, j'avais pris un e-book pour écouter Monsieur de EL Marche. Ça fait longtemps, par contre, vous ne le voyez pas, mais il a été plié dans ma bibliothèque. Il faut que j'essaie de le remettre. Et du coup, je suis en train de l'écouter. J'ai encore écouté là, quand je me suis levée. J'ai dû téléphoner à l'école pour dire que voilà, qu'il y avait grève et que je ne viendrai pas. Et du coup, après, j'ai mis la machine et tout ça. J'ai fait ce que je devais faire de base, que je ne devais pas faire comme je n'étais pas là. Mais j'ai fait comme ça, demain, je suis tranquille à la maison. Et du coup, ben, en nettoyant, en faisant tout ça, je l'ai mis en écoute aussi. Je ne sais plus où je suis, c'est ça que je ne saurais pas vous dire. Pour moi, je suis au chapitre 7, mais je ne suis pas sûre. Et vous en direz plus quand je saurai où je suis. Mais j'aime beaucoup pour le moment. Ici, on va suivre un jeune. C'est Maxime, parce que ça, je l'ai encore dans la tête, parce que je viens de couper pour vous prendre. Maxime, qui a perdu son frère. Du coup, sa belle-sœur, qui est mariée avec son frère, est devenue veuve. Et pendant l'enterrement, enfin, ils avaient une attirance l'un l'autre. Enfin, c'est une amitié depuis longtemps, sauf qu'elle a choisi son frère. Et du coup, au moment de l'enterrement, ils ont couché ensemble, voilà. Et du coup, quand son frère est décédé, il hérite tout complètement de tout, parce qu'il travaillait, lui, il avait une grosse société, si j'ai bien compris. Il a toujours travaillé, son frère, que lui, non. Tout est devenu. J'essaie de le remettre à mon ami, en fait, dans sa main. Enfin, il a assez de sous pour vivre, voilà, enfin, soit. Et du coup, il connaît rien dans le métier du bâtiment, si j'ai compris. Enfin, j'ai pas tout compris du travail. Parce que là, maintenant, je travaillais, et du coup, je pensais aussi à autre chose. Mais le métier, je suis pas encore tout à fait sûre. Et je sais pas s'il est marqué dans le déroulement de la quatrième. Non, c'est pas l'air. Et du coup, il va tout hériter. Sauf qu'elle râle un petit peu parce qu'ils sont mariés depuis 2 ans. Et qu'elle a rien, il lui a rien laissé. Et il venait d'ouvrir un testament, si j'ai bien compris. Au début, on lui dit qu'il ouvre un testament, mais il n'a rien laissé, quoi. Enfin, il n'a pas eu le temps de le faire, je pense. En fait, il a eu un accident de moto de la nuit. Voilà. Et il a une. Maxime, celui qu'on suit, notre personnage. Il a une femme de ménage qui vient tous les jours, et au début, c'était une femme. Sauf qu'elle a dû retourner dans son pays. Et c'est une autre qui remplace. Sauf qu'il n'était pas au courant. Il tombe sur une personne qu'il la connaissait pas. Parce que comme il savait pas. Et il est attiré vers cette femme. Elle aussi. Enfin, elle aussi, elle a un petit truc. Et elle adore jouer du piano. Et du coup, elle joue du piano chez lui. Sans se faire voir. Quand il n'est pas là. Parce qu'il laisse juste des sous sur la commode. Et il s'en va quand elle arrive. Enfin, plus ou moins. Voilà. Et
Voilà, je suis à peu près là dans l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Maintenant, il n'y a pas encore eu. C'était un homme à femme. Il y a beaucoup de, enfin, beaucoup de rapports. Et du coup, quand elle vide la poubelle, je viens de voir un truc, mais je ne le retrouverai plus. Elle vide la poubelle, il y a beaucoup de capotes. Et où je suis, elle a été. Enfin, ils ont une attirance vers l'un l'autre sans le dire encore. Il ne l'a pas encore dit. Et quand elle va dans la shop, il n'y a aucune capote tout le week-end. Du coup, elle est un peu contente. Sauf que le jour, elle retourne, on va dire, je ne sais pas quel jour, mais elle retourne le lendemain et elle recroise une femme habillée avec une chemise de monsieur. Et là, elle dit, ouais, ça va, il a une copine. Et en fait, non, c'est sa belle-sœur qui a dormi là parce que. Voilà. Et il veut plus coucher avec sa belle-sœur parce qu'il a couché avec sa belle-sœur plus d'une fois. Et là, il veut plus coucher avec sa belle-sœur. Et voilà, j'aime bien l'histoire. Maintenant, quand je reviendrai en bus le matin, le soir, je le mettrai pour essayer d'épurer ma palle parce qu'elle est énorme ma palle. Du coup, voilà, j'écoute ça en e-book pour le moment et j'aime beaucoup. Hier, comme je suis rentrée, il était 5h. 5h, 5h, 4h30. Mon chéri est venu me rejoindre avec la miss là, comme ça, elle a fait des pipi caca en même temps. Parce qu'elle n'avait pas fait pipi toute la journée. Du coup, il est venu avec elle à l'arrêt du bus. On a fait pipi caca. Voilà. Hein, on a fait pipi caca. Mais là, il pleut, elle veut pas sortir. Ah non. Il pleut. J'aime pas quand il pleut. Du coup, voilà. Et quand je suis rentrée, ben, j'expliquais un peu l'histoire avec la classe, enfin ce qui se passe, qui s'est passé, ma journée. Et je n'ai pas lu du tout. Du coup, je suis toujours dans Savannah. Là, ici, je sais pas quelle heure il est. Il va être 11h. Je vais me mettre dedans jusque midi et demi, 1h. Reste pas beaucoup. Je veux le terminer aujourd'hui. Avant ce soir, je veux le terminer. J'aime beaucoup l'histoire, je voudrais bien en savoir un peu plus. Voilà. Et après, ben, je prendrai une autre lecture. Ça, c'est non plus. Hein. Je ne la compte pas dans le. Enfin, si, je vais la compter, mais ce sera quand je le lirai. Enfin, j'écouterai. Mais au moins, elle sera. Lui, je serai contente. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire. Je crois qu'elle est en poche. J'aimerais bien peut-être le prendre en poche et vendre celui-là. Voilà. Je sais pas. Je verrai bien, mais. Ou alors je sais pas, je verrai ça, c'est pas encore. Je sais pas ce que je fais moi avec mes livres. Je sais pas si je les gare. Quand j'ai un coup de cœur, je les gare, ça c'est sûr. Mais quand je suis mitigée, j'hésite. Mais là, je sais pas. On verra la suite. J'aime bien pour le moment, ça se passe bien. Mais j'ai un peu peur parce que j'ai entendu beaucoup de trucs sur ce livre. Du coup, j'ai un peu peur de la suite quand même. Bon, on va prendre on fera son avis et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bah, pense à ça, ma classe, ça se passe bien. Je suis dans un bon groupe. Dans un bon groupe. On s'est bien entendu tous. Il n'y en a qu'un qui est un peu turbulent dans la classe, mais on va s'y faire. Enfin, il n'est pas méchant, il est gentil. C'est juste la façon de parler des fois. La façon de. Il a son langage à lui, il a 22 ans. Il faudra le mettre un petit peu sur le truc. Ils sont en train de le. Parce qu'il y a deux semaines que lui est arrivé, du coup, ils sont en train de le régler un petit peu. Voilà, c'était un garçon assez. Il a eu beaucoup de problèmes dans sa vie de jeunesse. Et voilà. Et ma grosse mère, elle ne veut pas me quitter. Voilà, hein, ma mère, elle veut pas me quitter. Fais coucou à Mariette. Coucou Mariette. Si tu me regardes. Tu crois que tu me regardes, Mariette? Je te fais une dédicace, Mariette. Je te fais des grosses lèches. Si tu vois cette grosse lèche, mets-moi un petit commentaire. Un petit commentaire, copine. Copine, un petit commentaire. Avec un petit cœur. Ou sinon, je te mange. Voilà. Et bah sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas trop durer parce que je suis toujours en enfin, pyjama de maison. Enfin, c'est pas vraiment un pyjama, j'ai mis ça pour nettoyer. Enfin, je suis sortie du lit, je mets ça quoi. Voilà, là, on va
changer. Et ce soir, c'est resto. Du coup, voilà. J'ai vraiment pas envie d'aller. J'ai envie d'aller pour manger, mais j'ai pas envie d'aller avec les personnes que je vais. Ça, c'est autre chose. Voilà, sur ça, je vous laisse et je vais essayer de bouquiner un petit peu. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve certainement du week-end. Enfin, en croisant les doigts que je vous prends le week-end. Et fera que je conclue le vlog de façon dimanche. Au plus vite dimanche, samedi soir, je sais pas, on verra. Samedi soir ou dimanche, comme ça je pourrais vous le monter dans la foulée et pour. Enfin, je pourrais le monter. Mais non, mercredi, je serais même pas. Vous le monter pour le mettre le dimanche prochain. Voilà, n'hésitez pas à aller retrouver les vidéos sur la chaîne hein, parce que je vois que si je fais pas des petites stories, c'est vrai que pour le moment c'est un peu compliqué de vous les mettre en story les vidéos. Ben, il n'y a personne qui va voir sur mes vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bonjour Mathilde Lucelle, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est dimanche 12. Ça va trop vite déjà. Je vous ai pas repris. Je pense pas que je vous ai pris vendredi. Je suis pas sûre. Samedi, je sais que je vous ai pas pris parce qu'on a fait une très longue journée. Je suis rentrée chez moi, qu'il était 23h. Et on est parti dans les environs de 9h30, 10h. Voilà, une très longue journée. On s'est promené, on a été à Paris d'Aïsa. Puis de là, on est parti de là vers 4h30, 5h. On s'est retrouvé à Cora, à la Louvière. On a été voir un ami. Et puis on a été retrouver Mariette et Joe qui avaient le feu d'artifice. Voilà. Et puis on est rentré, on n'a pas trop traîné après le feu d'artifice, on a discuté un tout petit peu, un petit quart d'heure, et puis on est parti, on a repris la route. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai très mal aux jambes. Et du coup, je me suis reposée. J'ai joué peut-être une heure et demie, une heure à Disney au matin. Voilà. Et après, j'ai terminé le livre. Ah oui, vendredi, il m'est arrivé une grosse catastrophe. C'est pour ça que je ne vous ai pas repris. Vous n'allez pas bien voir avec la lumière, mais j'ai fini Savannah, le tome 1 de Nathalie Sullivan chez Hugo Roman. J'ai adoré, adoré ce roman. J'ai trop envie de me lire le tome 2 là. Mais on ne peut pas, je suis toujours dans le défi avec Mariette. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu de sa lecture. On va suivre Jessie qui va partir en Savannah. C'était en. Comment ils disent? En Afrique. Dans le village Savannah. Voilà. Qu'elle va en vétérinaire pour faire comme un jour de stage là-bas. Elle reste quelques mois. Et elle a une mission. Mais ça, je vous en dirai pas plus. Et du coup, elle va se retrouver avec le petit groupe. Elle va aller faire des missions dans la savane. Elle va rencontrer les éléphants, les girafes et tout ce qui s'ensuit. Elle va les soigner avec le patron de du camp. Voilà, qui va l'aider. Lui, c'est. Oh, mais. J'ai son nom en tête, mais Wisson, Wisson, je crois que ça se dit comme ça, Wisson, qui est très bien aussi. Et j'ai adoré l'histoire du début à la fin. On apprend plein de choses sur les animaux, on apprend plein de choses sur l'histoire de la savane. Il y a une autre histoire aussi que je vous en dirai pas plus. C'est la famille, enfin, de Jess. Enfin, au début, c'est où on parle dans les débuts. En fait, elle a vécu en étant petite là-bas avec sa maman et son papa. Sauf que sa maman est partie de là-bas. Elle ne sait pas pourquoi et elle est là pour comprendre ce qui va se passer. Parce que son père est resté là-bas. Et je vous en dirai pas plus. Et du coup, elle va essayer de comprendre pourquoi tout ce qui s'est passé. Voilà, pourquoi elle n'est pas rester, pourquoi sa maman ne lui dit pas toute la vérité. Et voilà. Et je peux pas vous dire, mais ce mec me gonfle sur le système. Mais voilà, je ne peux pas trop vous en dire. Voilà, du coup, je l'ai terminé. J'ai lu 50 pages. Et là, j'allais commencer à.
J'ai pris notre lecture et j'ai commencé, je crois. J'ai lu 8 pages, enfin un peu moins de 8 pages. J'ai donné à manger à mes fous. Il y en a une qui dort là déjà à côté de moi. Gros tas de Zoé, grosse boudine. Et ma fille elle tremblait, elle pleurait, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, elle voulait aller juste aller faire ses besoins. Du coup, j'ai vite sorti, du coup, j'ai arrêté la lecture. Parce que j'avais mis un réveil, je me disais, je vais lire jusqu'à 18h. 18h, je regarderai une petite vidéo. Et du coup, j'ai fait l'inverse. Je l'ai sorti, je regarde la vidéo. Et là, je vais me remettre à lire. J'ai pris Je te hais la passion. Passionnément. Chez PKJ de Sarah Wolf. C'est un vieux livre. Il est sorti il y a très longtemps. Je ne sais plus. Je l'ai reçu en cadeau. Il est sorti en 2007. Ouais. Publié édition de la jeunesse en mai 2017. C'est un vieux livre. Du coup, je vais lire ça. J'ai les 3 tomes aussi. Voilà. Je commence les tomes. Dans cette série avec Mariette, c'est presque tous des tomes. Et j'ai lu Baby. Je ne sais plus quoi. Baby. Baby. Que j'ai des tomes qui me donnent très envie de continuer. J'ai lu, je sais plus, le premier qui me donne très envie. Falbus, un truc avec le poker aussi. La première lecture. J'ai la suite. C'est pas un tome 2, mais c'est une suite que j'ai envie de lire. Voilà. Et j'ai celui-là, c'est un tome 1. J'ai la suite aussi. Et là, j'ai les 3 tomes qui m'attendent aussi dans la balle. Du coup, voilà. Ici, j'ai lu même pas 8 pages. Hein. C'est voilà. J'ai le chap premier chapitre et j'ai lu le chapitre en fait. Le premier chapitre, enfin, vraiment la page où il est marqué premier chapitre. Vraiment ça. Voilà. Et je suis sortie la fifi. Du coup, voilà. Je vais continuer ça. Ici, je ne sais plus de quoi ça parle. Je vais lire juste la petite phrase ici. Ah, vous voyez pas trop bien avec le... enfin, cette phrase-là. Règle numéro 1, ne jamais parler d'amour. Règle numéro 2, ne jamais penser à l'amour. Règle numéro 3, éviter tout sentiment. Voilà. Du coup, je vais lire ça encore un petit peu. Et après, je sais pas, peut-être essayer de regarder un film. Et puis s'endormir pour demain, une grosse journée. De 9h à 4h30. Je serai à la maison à 4h30. Je pars à 8h demain. Et 4h30. Je serai à la maison à 4h30. Je finis à 4h, temps de prendre le métro. Sur ce, je ne sais pas si je conclue ce vlog ou pas. Mais demain, si je suis pas trop fatiguée et que j'ai le courage, après, quand je suis rentrée, si monsieur fait bien à manger, faire à ton humeur. J'essaierai d'allumer le PC et vous mettre tous les rushs sur pouvoir pour commencer à monter ce vlog, voir à peu près combien de temps j'ai. Et si j'ai assez, bah, demain je ferai un petit coucou et pour conclure ce vlog en même temps. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais commencer ma lecture. Et je vous dis plutôt à demain. Et je vous fais des gros bisous. Bonjour ma petite Lucelle, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous reprends, on est mardi 14. Je ne sais pas, pris hier, parce que hier, comme je revenais de ma journée d'école, j'ai dû faire des trucs. Ce soir, c'est aussi. J'ai déjà fait ma petite liste que je dois faire en rentrant. J'ai trop de choses à faire. J'aurais préféré faire ça tout de suite, mais là voilà, quand je me suis levée, c'est préparé à moitié. J'ai déjà fait ma vaisselle que j'avais pas faite hier. Voilà, elle est faite. Elle est lavée, pas essuyée, toujours sur le gouttoir. C'est bon. Et puis je me suis préparée, je me suis occupée de mes loulous. Voilà, j'ai pas encore regardé pour la gamelle d'eau, je viens d'y penser. Faut que je regarde ta gamelle d'eau, il y a encore de l'eau ou pas? Et je viens tout juste de finir de m'habiller. Voilà, et j'ai encore mon jus de pomme à prendre et ma vitamine qu'il faut que j'aille chercher. Mais je reviens dans ce vlog parce que j'ai un truc que j'ai reçu hier. Il était trop tard pour que je vous montre et je l'ai déballé toute seule, comme une grande. Je me suis pris. Tout le monde en parle et du coup, il me donne trop envie de le lire. C'est
EY, je vous laisse le nom. Je sais. Collection Romance et Passion. Passion. Et c'est dans la bookmark Infinity. Voilà. Tout le monde en parle de ce livre. Du coup, je me suis dit, allez, hop, on le prend. C'était un tome 1. Il faudra que je regarde quand le tome 2 sortira. Au chapitre, il n'y a pas, il n'y a rien. Juste chapitre. Voilà. Du coup, je voulais un petit peu. Déjà, dans les. C'est un livre de romance. MF. Homme-femme. Humour, colocation, sexe. Sexy. Si je pourrais récréer les règles, je ferais pour moi. Lux est venu à Los Angeles avec un grand rêve. Apprendre après le meilleur chorégraphe et devenir danseur professionnel. Ah, oh, ouais. Pour élite de New York. Tout se passe comme prévu, jusqu'à ce qu'elle soit poussée dans les bras du seul homme capable de faire décoller sa carrière, où les runes les, de ou de la rune, j'ai le hoquet, mais je le sens, rune. Mais ce n'est pas pour sa carrière qu'elle devra s'inquiéter. C'est pour son cœur. Théo refuse de travailler avec la amateur. Mais bon, il n'a jamais vu personne se déplacer sur la piste de danse comme Alexandra Lux Queen. Elle n'est que de passion et grâce, précision et passion. Et elle dégage sur la scène une présence dont il est incapable de détacher le regard. Il la veut dans son groupe, dans son lit. Et il y a un problème. Elle ne peut pas avoir les deux. Elle peut pas avoir les deux. Pourquoi pas? C'est. Je n'ai pas beaucoup lu de bookmark, à part les tout petits de Noël, mais en gros, j'en ai pas. C'est Caca. Allen, Allen, je ne sais pas comment ça prononce. Voilà, je suis très contente de me l'avoir pris. Même s'il passe pas dans la casserole tout de suite. Il m'en reste pas. Ça diminue ma pile avec Mariette. Du coup, voilà. Et je voulais vous revenir. Après, je vous laisse que je vais lire un tout petit peu avant de partir. Je suis toujours dans mon livre. Enfin, je suis normal, je l'ai commencé dimanche, lundi, je ne sais plus. Je te aide. De passion à passionner chez PKJ et c'est de Sarah Wolf. C'est un cadeau que j'ai eu, c'est pas cette année, c'est l'année passée à Mariette. Du coup, voilà, il est dans ma palle et je suis qu'à 38 pages. Hein. Je peux pas trop vous en parler pour le moment. C'est mitigé, j'ai pas encore d'avis à ce moment-là. Voilà, rien, je sais pas, je suis mitigé. Voilà, pourtant j'ai la suite dans ma palle. Du coup, voilà. Je sais pas. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous avez pensé. Parce que là, je suis mitigée. Enfin, c'est pas avec 38 pages que je vais savoir. Mais j'aimerais bien bouquiner un peu plus. Voilà, le soir, je suis tellement fatiguée. Parce que hier, j'ai fait quand même pas mal de trucs à l'école. Et j'avais la tête en vrac. Voilà. Et à ma part, j'ai discuté avec les autres, du coup, voilà. Et quand je rentre, ben, je fais mon ménage. Après, je regarde Ici, tu commences et demain nous appartient. Et voilà. Et du coup, j'ai la tête dans le vrac. Ben, vraiment vrac. La seule chose que j'ai envie, c'est dormir, alors voilà. Hier, j'ai quand même regardé l'avenir, la fin de l'avenir, avec. Je sais plus comment il s'appelle. C'est grave, vous mettez une image si j'oublie pas. C'était bien, c'était chouette, c'était
ça change quoi. Mon petit loulou là, il est en manque de sa maman. Parce que maman, elle n'est pas là la journée et du coup, il est en manque de câlin. Mais en gros manque de câlin. Ce soir, il faut que je lui fasse son bac à caca. Parce que faut mettre les poubelles ce soir. Oh, un gros titi qui est passé à la fenêtre. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà. Et ben, ici, en fait, je vais venir conclure le vlog. Je ne sais pas combien de temps il dure, mais c'est pas grave. Je vais le conclure et vous le. Là, je vais essayer de le monter. Hier, je n'ai même pas allumé PC. Il faut que j'essaie de l'allumer pour vous monter. Bon, ça sera ça. Tellement pas de ce soir. J'ai encore plein de choses à faire. Essayer de vous monter vendredi, mercredi ou vendredi. Normalement, je ne travaille pas. Enfin, je ne vais pas à l'école mercredi après-midi. Sauf que comme d'hab, je vais aller donner un coup de main à ma tantine. Voilà, à la place du vendredi. Et vendredi, je finis à midi aussi. Je finis à midi mercredi et vendredi. Mais mercredi, ce sera le nettoyage chez ma tantine. Et le vendredi, ce sera le nettoyage chez moi. Voilà, parce que justement, je vais pas m'en sortir. J'essaye d'avancer de la semaine. Voilà. Mais il faut au minimum que je fasse la litière. Aujourd'hui, ce qui rapporte à la poubelle, il faut que je fasse. Il faut la mettre ce soir, parce que mercredi, les poubelles passent. Ça peut attendre vendredi. Je voudrais bien changer mon lit. Voilà. Pour dormir un peu mieux. Voilà. Et après, il faut que je refasse mes vêtements dans ma manne. Que je les range. Voilà. Ça, je verrai la vider et la refaire, quoi. Pour la donner à ma mamie. Comme ça, elle fait mes vêtements tant que je vais à l'école. Parce que là, je ne saurais pas. J'ai déjà une partie qui est là. Voilà. En plus, vendredi passé, j'étais en congé. Enfin. C'était grève, du coup j'ai pas été à l'école. Et j'ai une grosse catastrophe, je sais même pas si je vous l'ai dit. J'ai eu plein d'eau chez moi. En fait, ma machine, elle se vide dans ma douche. Je sais pas comment ça se fait, ils me demandaient pas. Et ma douche, elle a plus le temps de prendre et tout a débordé de la douche. J'avais de l'eau partout, toute ma cuisine là. J'avais plein d'eau à terre. J'ai dû tout nettoyer la cuisine. J'ai eu mal aux dents, j'étais crevée, j'en pouvais plus. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce qu'il est. Oh, c'est mon car. Je prends le bus. Je prends le métro à 8h. C'est y répondre le. Ouais, 8h, c'est bon. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire que je coupais la vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard pour un nouveau vlog. Je sais pas si je vous reprendrai de la semaine, je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça va se dérouler à partir de maintenant. Du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard.